Bonjour à tous, encore Mehdi de Netageo, la web TV qui parle de Japan pop culture depuis Tokyo. Et cette fois-ci, on va encore parler du World Hobby Fair pour vous présenter les deux grandes stars du salon qui sont Gundam et Danbol Senki. On parlera donc de Gundam et surtout d'un concept original connectant les maquettes aux jeux vidéo. Puis de Danbol Senki qui cartonne au Japon. De retour au World Hobby Fair Winter 2012. Direction le stand de Bandai pour parler de Gundam, cette série d'animés super connue au Japon, un succès qui dure depuis la fin des années 70. Les robots Gundam, appelés Mobile Suit, sont aussi connus pour leur Plamodel. Le terme Plamodel est constitué du terme Pla pour plastique et Modèle, ce qui signifie maquette en plastique. Les maquettes de Mobile Suit Gundam sont aussi appelées des Gunpla, dont voici les nouveaux modèles. Ça va, je ne vous parle pas trop japonais? Dans le stand Gunpla, on pouvait s'initier au montage de ces maquettes. Ça, c'est l'ensemble des Gunpla montés par ceux qui ont participé au stand d'initiation, un vrai bataillon. Bandai a lancé un concept qui relie les plats modèles au jeu vidéo avec cette borne, Gaging Battle Base. Au salon, le tout nouveau modèle, Gaging Battle Base H2 était en exposition. Pour jouer à cette borne, vous devez scanner le plat modèle. Cette action a pour terme gaging. Vous pouvez gaging deux types de modèles, AG et GB. Les AG ou Advanced Grade font environ 12 cm de haut et contiennent une seule puce gaging située dans le dos du modèle. Les modèles GB ou Gaging Builder sont des figurines de 19 cm de haut et se composent de 4 parties qui sont le buste, le bras gauche, le bras droit et les jambes. Chaque partie contient sa propre puce gaging. Pour jouer à la borne, vous devez donc acheter au minimum un modèle HG ou un set GB. Mais les parties sur la borne sont gratuites. Au début et au cours de votre partie, la borne lit les puces gaging pour faire apparaître vos Gundam dans le jeu. Les modes de jeu sont différents pour les modèles AG et les figurines GB. Avec les AG, vous devez former une équipe de 3 mobile suits. Dans le cas des modèles GB, vous devez scanner les 4 parties de votre figurine. En fonction des combinaisons des modèles AG ou des membres de la figurine GB scannés, les propriétés de votre équipe ou de votre Gundam changent. Ce qui donne forcément envie d'avoir plusieurs parties des différents modèles GB et plusieurs modèles AG. À la fin de chaque partie, vous pouvez sauvegarder les Gaging Points obtenu dans votre Edge Device, vous permettant de monter de niveau. En plus d'utiliser ces modèles AG et GB avec les bornes, vous pouvez aussi les collectionner comme jouets. Voici donc un système ingénieux pour faire la passerelle entre les jouets et les jeux vidéo, le tout appuyé par une série animée Gundam Age en diffusion depuis octobre 2011 au Japon. Ce qui fait le plaisir des enfants et des parents fans de la série. Pour les autres parents, ça risque surtout de leur donner des sueurs froides. Ça, c'est un modèle GB vendu uniquement durant le World Hobby Fair. Gundam Tri-Age. Eh oui, une autre borne issue de la série Age qui se joue avec des cartes à collectionner. La surprise fut la possibilité de jouer à Gundam Age pour PSP. Ce RPG est prévu pour l'été au Japon. Après avoir parlé d'un animé qui est devenu un jeu vidéo, on va parler d'un produit qui dès le début a été pensé pour lier le jeu vidéo, l'animation et le jouet. C'est Danbol Senki. Ce n'est pas la première fois que Level 5 relie le jeu vidéo et l'animation avec succès. Ce fut déjà le cas avec Inazuma Eleven. En plus, quand il s'agit de foot, hein, forcément, cela nous prend par les sentiments. D'ailleurs, il était possible de jouer à Inazuma Eleven pour Wii, et au tout dernier Inazuma sur 3DS, qui a vraiment attiré beaucoup de monde. Donc, après Inazuma, Level 5 récidive avec Danbol Senki, qui en plus de se faire remarquer dans le monde du jeu vidéo et de l'animation, cartonne littéralement dans l'univers des plats modèles. Du coup, on pouvait trouver du Danbol Senki un peu partout dans le salon.
les Dumble Senki sont des petits robots customables nommés LBX, Little Battlers Experience. En juin 2011, le jeu sort sur PSP et la nouvelle version Dumble Senki Boost était présentée au salon. Dumble Senki Boost est une version upgrade du premier volet avec de nouveaux LBX, de nouveaux équipements et autres super attaques. Le jeu est bien monté avec des graphismes de qualité, avec un trait manga. À force de bidouiller les LBX dans le jeu et de les voir dans le dessin animé, cela vous donne envie d'en avoir un peu la modèle. Les maquettes LBX sont fidèles au concept de la série, dont vous pouvez les customiser en combinant chaque partie des différents modèles. Voici le premier Pura Model LBX Nightframe Achille. Comme pour Gundam, ces Pura Models sont fabriqués par Bandai. Les différentes parties sont déjà colorées et il n'y a pas besoin de colle ou de tournevis. Là encore, on reconnaît le savoir-faire de Bandai, créant des maquettes accessibles à un large public. Même moi, j'ai réussi à en monter une en un peu plus d'une heure. Voilà mon chef-d'œuvre. Vous pouvez bien sûr vous amuser à peindre le LBX pour en faire une pièce unique. Il existe aussi des figurines, les LBX Z-Mod, qui sont encore plus détaillées avec un vrai principe d'armature ou frame sur lesquels viennent se fixer chaque partie de l'armure. Nous sommes dans le stand des Pura modèles LBX dont voici les nouveaux modèles. Ces figurines ont tellement de succès qu'il me fut très difficile d'avancer et même de filmer le stand. L'autre cause de l'attroupement, c'est un nouveau système téléguidé pour faire s'affronter les LBX, le Lightning Sosa. Vous devez faire tomber le LBX adverse pour gagner. Un jour, ils vont finir par nous créer de vrais petits robots télécommandés à l'image des LBX. Bon, Gundam est une valeur sûre depuis des années au Japon, hein, que ce soit sur tous les formats, mais le nouveau Dumble Senki, hein, vraiment level 5, a fait vraiment fort, ça marche sur tous les plans, que ce soit le jeu vidéo, le dessin animé, les jouets, c'est vraiment une réussite, il n'y a rien à dire. Voilà, on finit l'émission sur ces mots, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode qui lui sera consacré aux jouets, qui marchent très fort au Japon, et qui ont été présentés au salon du World Hobby Fair. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, si vous voulez voir d'autres images ou en savoir un peu plus sur l'émission, n'hésitez pas à accéder sur le www.netagyo.com. J'attends vos messages avec impatience. Et puis surtout, n'oubliez pas notre Twitter et la page Facebook de Netagyo. Hein. N'hésitez pas à devenir fan. Hein. N'hésitez pas. Ça vous coûte rien, vous êtes des fans. Puis comme ça, moi, je suis content. Et tout le monde, il est content. Voilà, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode. Sayonara, Jane, bye bye, à plus quoi.